Le club MediaRH.com sur BFM Business. Alors, on continue à la découverte des invités de cette émission. On continue avec vos invités. Moi, j'en ai un, mais il va intervenir dans quelques minutes. Il y a Hervé Pouchol. Alors, Hervé, c'est un confrère, 30 ans de métier dans la radio. Déjà. Hein, écoutez cette voix. Il a une voix solide. Elle est là. Elle est présente, chaude. C'est un homme de radio. Et chapeau, parce que, là encore, Isabelle. Un homme de cœur. Un homme de cœur. Ah oui, alors. À vos côtés. Ah oui, alors. Je peux vous dire, parce que grâce à lui, on a un événement à Saint-Tropez, qui s'appelle le Sauvons le cœur des femmes, et avec un concours de pétanque féminin. Excusez-moi, mais à Saint-Tropez, Sauvons le cœur des femmes. Écoutez, ça marche du feu de Dieu. Et grâce à Hervé, on est arrivé. Certains vont dire, c'est quoi, c'est? Eh ben, c'est un tournoi de pétanque féminin, avec un support donc de la mairie de Saint-Tropez, ouais. Et c'est au départ vraiment une proposition d'Hervé. Moi, j'y croyais pas. Non, parce que ça fait sourire. Tout de mais suite, oui, mais on a eu 200 pétanque. Personnes. On a eu 200 personnes cette année qui sont venues faire. On avait totalement recouvert. Avec des généreux donateurs. Voilà. Et surtout, on avait la place d'Élise en rouge. Incroyable. Toutes les femmes étaient habillées en rouge. Ouais. On avait aussi des hommes qui étaient là pour nous supporter. On a fait un tournoi de pétanque incroyable avec de la musique. On a fini à pas d'heure. Et ça, c'est vraiment Hervé. Voilà. C'est Hervé qui un jour m'a dit, Isabelle, si tu veux, avec sa voix magnifique. Je peux trouver une idée. À Saint-Tropez, on peut peut-être faire quelque chose et c'est magique, quoi. Alors, Hervé, on va parler de la radio d'entreprise. Oui. On le dit tout de suite. On peut vous entendre et vous voir tous les jours, quoi, pratiquement. Sur la radio, sur on peut la citer. Une chaîne, bien sûr, sur RTL chaque matin. Ici, on n'a pas une chaîne amie. C'est une famille, la radio, bien sûr. Et 30 ans de radio, dont RMC. Ah oui, donc ça compte. Pour en revenir en deux petits mots sur ce que vient de dire Isabelle concernant Sauvons le cœur des femmes, Saint-Tropez, c'est effectivement les paillettes, mais là, le 5 août ou le premier dimanche d'août, c'est vraiment la manifestation qui est la plus aimée, notamment par le maire, par les Tropéziens. Les Tropéziens, c'est une opération qui a du cœur, comme le cœur d'Isabelle. C'est simplement ce que je voulais dire. Cette animation du premier dimanche de Saint-Tropez au mois d'août est devenue un vrai succès. Et pour notamment sensibiliser les personnes sur les maladies cardiovasculaires. J'en termine là. Hervé Pouchol, un homme de radio. Radio d'entreprise, c'est ce dont on va parler. Oui. C'est l'expérience des médias au service des entreprises. Voilà. Alors ça coûte chapeau, parce que effectivement, vous avez eu l'idée, avec votre expérience, 30 ans de radio, vous avez eu l'idée de vous approcher des sociétés en leur disant, mais pourquoi ne pas faire, d'innover et d'apporter mon expérience du média pour vous aider à communiquer. C'est un peu ça l'idée, hein. Ouais, d'une manière originale. Ça. C'est quoi le concept de HPPP? On est dans une période où le digital est roi. On oublie l'humain. N'oublions pas que la radio est le média préféré des Français. Un message qui est entendu passe beaucoup mieux qu'un message qui est lu. Je suis parti de ce constat. En fait, la communication interne, vous avez la newsletter, vous avez des réunions, vous avez des mails, vous avez intranet. SMS. Mais on oublie l'humain. Donc je me suis dit, tiens, je vais créer un flash, je vais proposer l'essentiel de l'actualité, la piqûre de rappel de ce que doivent retenir les collaborateurs. Chaque semaine, en 3 minutes, ils savent. Alors, mais en revanche, c'est un outil complémentaire des autres outils. Bien sûr. Alors vous proposez plusieurs prestations, dit-on, de qualité. La radio d'entreprise, c'est quoi la radio d'entreprise? C'est ça. La radio d'entreprise, c'est justement pour communiquer auprès des collaborateurs. C'est 3 minutes. Ouais, c'est 3 minutes, parce que au-delà de 3 minutes, on a tendance un petit peu à zapper. Là, il faut qu'il y ait une voix. Ça dure une heure, nous. Non, mais au bout de 3 minutes, tu auras un petit message. Bien sûr, c'est un flash. C'est une blague. Un flash, en général, ça dure aux alentours de 3 minutes. Bien sûr. Que ce soit sur RMC. Ou ailleurs. En général, le petit flash, c'est 3 minutes. C'est vraiment l'essentiel. C'est la petite piqûre de rappel. Le chef d'entreprise, il est intéressé par cet outil, parce que justement, il sait que ces informations vont passer. Et le principe des 3 minutes, c'est toujours le multiple de 3. C'est 3 minutes, 3 infos, et de temps en temps, quand il y a un invité, c'est 3 questions. Très bien. Alors, ce sont effectivement... Et ça marche. Vous avez... ça a du succès, et bravo. Ça a beaucoup de succès, notamment quand vous avez envie de communiquer auprès de collaborateurs qui sont dans le monde entier. Ils reçoivent chaque lundi, on appelle ça le Monday's Flash, le flash du lundi matin. Au moment où ils se réveillent, ils l'écoutent par SMS, par mail, mais au moins, ils ont l'essentiel de l'actualité, mais dans le monde entier, au même moment, et ils ont une voix qui leur parle. Oui. C'est ça qui est important. Et c'est vous? C'est votre voix? En général, oui, je me sers plutôt de la mienne, mais de temps en temps, il y a certaines journalistes également qui travaillent avec nous. Bon, on utilise des voix féminines, mais voilà. Est-ce que le président ou le dirigeant parle également dans les Alors, c'est la voix de son maître?
Alors justement, il faut éviter que ça comme soit disait, la, comme la, disait la boîte. Nous, on travaille avec les IRCOM d'une manière générale, et de temps en temps, on donne la parole. Alors c'est le choix de l'entreprise au départ. Ça peut être le PDG, ça peut être un syndicaliste, ça peut être un collaborateur, un responsable de CE. Je pense que c'est très intéressant. Maintenant, la petite interview, c'est le système des trois questions. C'est une fois par mois. C'est une bonne idée. Voilà. Il faut que ça soit quand même très, très, très fluide. Alors, votre société, je le rappelle pour ceux qui nous écoutent sur BFM Business, ils sont nombreux. Ils seront nombreux intéressés, j'en suis sûr. C'est HPP. HPP. Non. C'est HPP.com, j'imagine. Non, c'est hervépouchol.com. Hervépouchol. P-O-U-C-H-O-L.com. Voilà, parce qu'il y a pas de... Et c'est vrai que les DRH, vu qu'on est quand même dans l'émission bien numéro sûr. 1 qui s'adresse aux DRH, bien les sûr. DRH, les DIRCOM. Aux gens qui s'intéressent aux ressources humaines. Bah, ils ont envie aussi, au moment où on communique beaucoup via le digital, il y a même des outils, le Facebook des entreprises qui vient de faire son apparition depuis quelques années. Je trouve, enfin bon, c'est ce que me disent les grandes entreprises ouais, avec ouais, qui on c'est travaille. Intéressant. Ah ben, nous, au moins, il y a quelque chose qu'on retient dans l'information du flash. Isabelle. Moi, je trouve que c'est bien parce que vous avez cette voix que vous reconnaissez. Plutôt que d'avoir une newsletter ou une note d'information qui est quand même un petit peu triste, ben, vous avez toujours cette voix, ce rendez-vous, une fois par semaine, une fois par mois. Et je trouve que c'est un rendez-vous agréable. Ça dure 3 minutes, vous le savez. Vous apprenez le maximum de choses sur l'entreprise. Donc, je trouve que c'est une très, très bonne idée. C'est innovant, justement. C'est innovant. Bon, restez avec nous. Je vais vous présenter d'autres personnes. Alors, deux autres invités que j'ai cette fois moins... proposé de recevoir dans l'émission Le Club. Là, on va revenir dans les RH purs. Hein, on va parler de salaire, de cadre dirigeant pour 2017. Et on terminera l'émission avec quelqu'un que j'aime beaucoup, que j'ai rencontré qu'une fois. Mais je suis sûr que vous allez l'apprécier comme moi, c'est Hervé Pouchol. Vous allez découvrir cet expert qui fait un métier très particulier.